La vie devant soi, c'est d'être à l'écoute du moment présent, à l'écoute de mes besoins ici maintenant, et non pas de ceux que je pourrais m'inventer pour demain. La vie devant soi, pour moi, c'est de prendre les événements en son temps et sous forme qui convient. La vie devant soi, pour moi, c'est avoir la volonté à toute épreuve. La vie devant soi, pour moi, c'est marcher sur le chemin de la lumière. Je marche et j'avance, sans jamais oublier que le sentier de la vie est pavé de pierres tranchantes et parsemé d'épines et de pièges. La vie devant soi, pour moi, ce n'est plus le fait d'une pensée dans les actes, dans mes actes et dans ma sincérité. Pour la troisième fois, je suis avec vous. Je suis un souverain anonyme. Je suis un souverain qui se filme. C'est la troisième fois qu'un homme qui s'appelle Mario Saint-Amand, qui récidive ici avec nous dans ce château de renommée, il a répondu à une annonce que j'ai faite dans le journal de Montréal. Je cherchais un colloque. Alors il est venu aujourd'hui. Et bienvenue, il va passer avec moi un séjour, puis on va traverser la problématique de la vie, quoi, la vie devant soi. Derrière des murs, café crème. Nous souverains anonymes. Nous sommes capables de réflexion, capables de rêve et d'illusion, d'amour, passion, sensation. Nous souverains anonymes. De respect tous, nous sommes dignes. Le passé passe maintenant l'espoir. Rien plus rien ne sera plus pareil. Bonjour Mario, mon nom est Michael. Je te souhaite la bienvenue ici à Souverain Anonyme. Sais-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui? C'est pour ouvrir ton cœur. En tout cas, moi je vais t'ouvrir le mien, mon cœur. Bonjour Mario, ça va bien? Moi je m'appelle Yacine, je suis enchanté de te connaître et je te souhaite la bienvenue parmi les souverains. Et le reste, je te le dirai plus tard. Bonjour Mario, vous êtes un artiste très respecté et bien aimé. J'ai particulièrement aimé votre interprétation de Jerry Boulet. Et de la part de tout le monde ici, vivons notre victoire. Croyez bientôt le savoir. Veux ou ne veux pas, vous finiriez par le croire. Wassala wa salam alayka rasulallah wa halillah lillah mulay wa halillah. Wassala wa salam alayka ya rasulallah wa halillah lillah mulay wa halillah. Din din din. وانا عبد الخالق وانا عبد الصمد وانا عبد الرزاق وانا عبد الاله وانا عبد الرحمن وانا عبد الرحيم ويا رحمن ويا رحيم ويا رحمن ويا رحيم. Bienvenue à Mario Saint-Amand. Bienvenue à Mario Saint-Amand. Bienvenue parmi les souverains. Souverains, souverains. Souverains anonymes. Souverains, souverains. Souverains anonymes. Souverains, souverains. C'est notre patronyme. Souverains, souverains. C'est notre patronyme. Jibli Shawi, Shawi le Mekawi, Jibli Salabat, hey!
بالهد السلطان هاي جبريس على بان هاي ما بالهد السلطان يا ربي تعال تعف بينا ويا ربي تعال حام بينا ويا رحمن ويا رحيم ويا رحمن هاي ويا رحيم ويا رحمن ويا رحيم يا رحمن ويا رحيم سوغا 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 زانولين سوغا 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 زانولين سوغا سوغا سيلوب تخولين Bienvenue encore une fois à Mario, Mario Saint-Amand Bienvenue encore une fois à Mario Mario Saint-Amand, bienvenue parmi les sourins, 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 sourins annulés, sourins, sourins, sourins annulés, sourins, sourins, c'est notre patronyme, sourins, sourins, c'est notre patronyme, sourins, sourins, c'est notre patronyme. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وهلي الله لله مولاي وهلي الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وهلي الله لله مولاي وهلي Bonjour Mario. Salut. Je m'appelle Ben. Salut Ben. Je ne sais pas si tu te rappelles toujours de mon nom, non, mais c'est ta troisième récidive ici. C'est tout un honneur. Nous avons partagé dans le passé cette scène à l'occasion du lancement du projet La Vie Devant Soi. Plusieurs artistes nous ont honorés. Aujourd'hui, c'est à ton tour, c'est un grand jour. Et avant de te laisser partager avec nous l'art et l'amour de la musique, on aimerait bien savoir, en quelques mots, ça serait quoi pour toi, la vie devant toi ? La vie devant moi, c'est une vie qui commence quand je me lève le matin. Je remercie Dieu d'être vivant, et puis d'être en santé, d'avoir le courage et la foi de ne pas l'entreprendre avec de la drogue ou de l'alcool. Pour moi, ça fait déjà 6 ans que je ne consomme plus. Et puis, la vie devant moi, elle s'est faite, elle s'est ouverte complètement depuis 6 ans. Et elle est devenue ce que je souhaitais qu'elle devienne depuis que je suis enfant, en fait. J'ai commencé à consommer, j'avais 11 ans. Donc, pour moi, la vie devant moi, elle est apparue à partir du moment où est-ce que je me suis pris en main. Et puis, j'ai commencé à être fier de moi. Puis que j'étais bien dans mes godasses. Merci. La vie sera toujours généreuse avec toi et avec tout le monde, je l'espère. Même avec moi, mais elle a été généreuse. Merci quand même. Merci, Ben. Merci. Bonjour Mario, bienvenue à Souverain Anonyme. Fait plaisir. Moi, je suis pour te parler de la vie devant soi, mais avant de te parler de la vie devant soi, je vais te parler de la vie derrière moi. J'ai eu une aventure, c'est dur pas de ça. Moi, j'ai eu une mauvaise aventure à un moment donné. J'étais allé aux États-Unis. Puis pour travailler. Puis je travaillais dans le domaine de la construction. Dans mon métier, là-bas, il y avait beaucoup de travail. Puis il m'est arrivé une misaventure. Puis j'ai été condamné à 7 ans de prison plein aux travaux forcés. Puis ça, c'était 6 jours par semaine dans les swamps. À couper les arbres, aller au cas, tout ça. Puis ça a été vraiment dur. Ça m'a beaucoup marqué.
Puis, depuis que je suis revenu de là, mais j'ai continué à travailler ici. Puis là, je suis encore embarqué dans une autre histoire pour me ramasser ici. Depuis que si j'ai pris une grosse décision dans ma vie, je veux faire quelque chose pour les ex-détenus quand ils vont quitter la prison. Puis je vais ouvrir une maison de réinsertion sociale. Mais pas ici en ville. Loin de la ville. Pour les enlever d'ici. Les emmener sur le bord de la mer, en Gaspésie. Je veux construire une grosse maison, des grandes serres, pour cultiver le maraîchère, puis faire travailler tout simplement des ex-détenus. Alors ça, c'est pas mal l'histoire de la vie devant moi. J'aurais une question pour toi, Mario. Si tu serais pris ici, ou si tu serais un ex-détenu, quelque chose comme ça, tu verrais-tu la vie devant toi, en Gaspésie, sur le bord de la mer? Rappelle-moi ton prénom. Michael. Michael. Moi, j'ai jamais été en prison, mais j'ai eu mes prisons à moi. T'sais. Je me suis créé mes prisons à moi. Je me suis créé des univers dans ma vie qui n'étaient pas là. J'avais comme besoin de me confronter à l'impossible. Puis ça m'a amené toutes sortes de problèmes, tu sais. À l'intérieur des relations que j'ai vécues, autant avec des chums de gars qu'avec des femmes, des amoureuses, t'sais. J'étais celui qui sabotait les relations beaucoup, qui n'était pas capable de croire qu'il pouvait se faire aimer parce que je m'aimais pas assez. Aujourd'hui, je peux te dire que en rencontrant des gars comme toi, en rencontrant des gars ici, en rencontrant des personnes qui, au cours des 6 dernières années, m'ont permis de me découvrir, m'ont permis de devenir l'homme que je souhaite devenir, j'ai compris une chose. J'ai compris que je pouvais devenir quelqu'un et non pas le sauveur de quelqu'un. Et à partir du moment où est-ce que je deviens le Mario qui est bien, le Mario qui respire autant de bonheur que de la foi en la vie, puis qu'il n'y a plus envie de se saboter et de se scraper, bien, je deviens un exemple pour celui ou celle qui est à côté de moi, puis qui est en train de se scraper, puis qui se demande comment est-ce qu'on peut faire pour faire comme toi, puis pas se scraper à la vie. T'sais. Fait que c'est certain que plus je mets les efforts, parce qu'il en faut des efforts, plus je fais ce qu'il faut pour être bien et faire le bien, il est certain qu'alentour de moi, il va y avoir des changements. Si je reconnais que je suis bien sur le bord de la mer, moi, je vais apprendre au gars ou à la fille à pêcher pour qu'elle puisse se débrouiller. T'sais. Mais je ne pêcherai pas pour elle. Je ne pêcherai pas pour lui non plus. T'sais. Je vais y apprendre ce que moi, j'ai appris. Puis moi, il laisse les outils pour qu'elle puisse se faire une vie. T'sais. Je voudrais pas y bâtir sa vie à sa place. Parce que ça, le sauveur que j'ai voulu être pendant des années, ça a scrappé ma vie au complet. Parce que j'arrivais jamais à être solide dans ce que j'étais, puis je voulais toujours être pour l'autre ce que j'aurais donc souhaité que les gens soient pour moi, tu sais. À un moment donné, quand j'ai vu que le résultat pouvait seulement être atteint à partir du moment où est-ce que moi, j'allais m'occuper de mes affaires, puis j'allais grandir, puis j'allais devenir ce gars-là que j'ai envie d'être. Ben, je souhaite, en tout cas, que je devienne un attrait pour les gens autour de moi. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Bonne continuation, mon ami. Oui, Yacine. Ça va bien? Oui, ça va bien, Yacine. Vraiment. Bienvenue parmi nous, les souverains. Je te souhaite la bienvenue au nom de tous mes co-détenus.
Pour commencer, moi, je te dirais que la vie devant moi, je la vois loin d'ici, en Algérie, mon pays natal. Bien que je porte le Québec dans mon cœur, comme ma terre d'accueil, je vis ici depuis presque 18 ans. Cette sentence a causé beaucoup de plaies, de cicatrices dans mon âme. Et puis, je voudrais laisser le temps arranger les choses avant de revenir plus fort. Je veux retourner en Algérie parce que ma femme y attend. Je l'ai épousée, ça fait un an et demi. Et puis, elle m'est devenue aussi indispensable que de respirer. Donc, je ne me vois plus vivre sans elle. Donc, en sortant, direct. Donc, c'est ça. Et puis, je paye ma dette à la société. Et puis, une fois tout ça passé, je serai un homme tout neuf. Et puis, pour finir, j'aimerais te dire que dans ma religion, il y a un genre de hadith, c'est un dicton, qui dit que des fois, il y a des choses désagréables, vraiment désagréables qui nous arrivent, et puis ça nous rend profondément malheureux, mais on ne sait pas, on ne s'aperçoit pas que c'est une des meilleures choses qui arrivent dans nos vies. Et puis, j'aimerais te demander à toi-même, si est-ce que toi, tu as déjà vécu des choses qui te semblaient désagréables, mais qu'au fond, elles étaient les meilleures choses qui te sont arrivées? Il y en arrive à tous les jours, à toutes les semaines. Si je prends exemple de ce que tu viens de me dire, mm-hmm. t'es ici, puis t'es pas heureux d'être ici. Non. OK. Non. À partir du moment où tu me réponds non, il y a quand même des actes que t'as commis pour être ici. Bien sûr. Oui. OK. Lorsque t'étais dans ce mouvement-là qui t'amenait à... où t'avais le sentiment que t'étais à bonne place, ouais. parce que tu créais un univers dans lequel tu étais bien, puis que... Et pourtant, c'était pas un univers qui t'amenait nécessairement dans le bien. Bien sûr, ouais, je suis d'accord. Okay. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, parce que si je me serais pas fait attraper, j'aurais continué dans la même direction, peut-être j'aurais fait quelque chose de plus grave, et puis je serais sûrement à un endroit plus désagréable. Ben ouais. Ouais. Ils sont peut-être même pas là pour m'en parler. Non, vraiment pas. C'est ça, exactement. Une zone de force, peut-être. Ah, ou... oh, peut-être même plus là, là. Ouais, ça, c'est peut-être vrai, c'est mort. Vrai. C'est vrai, c'est ouf. Ben, moi, ça m'est arrivé aussi. Tu sais, il s'agit juste de savoir à quel moment est-ce que on reconnaît qu'il faut s'arrêter. À quel moment où est-ce qu'on reconnaît la limite. Et aussi, à l'intérieur de ce qu'on provoque. Parce que moi, ce que je vis, là, c'est juste Mario Saint-Amand qui le provoque. Il n'y a pas personne, c'est pas toi, c'est personne d'autre que moi qui provoque les situations de ma vie. Alors, si j'ai envie d'être bien, puis j'ai envie d'être confortable, je sais que je ne dois pas aller là où est-ce que je sais pertinemment que m'avoir des problèmes. Je suis assez intelligent pour ça. Donc, tout ce qui m'est arrivé, puis je pourrais t'en énumérer, mais ça apporterait quoi de plus par rapport à ce que tu as vécu, ce que j'ai vécu? On le sait, quand on s'est mis dans la marde, on s'est mis dans la marde parce que on l'a créé, ce mouvement-là. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui que je fasse, moi, pour pas retourner là, c'est de me pardonner de ça. Ça c'est bien vrai. Parce que je peux pas faire autrement que quand je regarde mon passé, puis que je suis toujours... Tu sais, le passé, là, c'est comme le trou de cul. Le trou de cul est en arrière. Ça me tente pas, moi, sentir la marde à tous les jours, tu sais. Fait que, tu sais, à partir du moment où est-ce que je reconnais que ce passé-là, il est là. Il a existé, il est là, il fait partie de ce que je suis aujourd'hui, du moment présent. À savoir, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour juste cumuler des points bonis? Juste cumuler des bonnes actions qui fait que je vais me lever le matin. Puis j'aurais pas le sentiment, en dedans de moi, d'être tout croche, puis d'avoir fait des affaires de travers, puis de pas être bien dans mes shorts. Moi, l'important aujourd'hui, à 45 ans, c'est d'être bien. Si j'ai fait des actes manqués, s'il y a des gens que j'ai blessés, oui, je vais avoir des amendes honorables à faire. Ça, ces amendes honorables-là, il va falloir que je les fasse en son temps et sous forme qui convient, parce que je peux pas provoquer ça. Parce que la personne que j'ai blessée, je sais pas à quel point je l'ai blessée. Même si pour moi, ça devait être bien anodin, là, ça se peut que cette personne-là, elle ait pris puis qu'elle s'en soit même pas remis au moment où je te parle, tu sais. Fait qu'il faut que je laisse le temps à cette personne-là d'accepter que je vienne lui parler pour lui dire « je m'excuse ». Au moment où est-ce que j'ai fait cet acte-là, je l'ai fait parce que j'avais peur. Je l'ai fait parce que j'étais pas bien dans mes souliers. J'ai fait parce que je pensais que tu me voulais du mal, fait que la seule façon que je pouvais répondre à ça, c'était en t'attaquant. Tu sais, fait que
ça fait qu'aujourd'hui, je réalise que c'est pas ça que j'ai envie. Et j'ai juste envie de me pardonner en premier. En premier. Ça, c'est très important, ouais, c'est vrai. C'est essentiel. Sinon, on n'avance plus. Sinon, ça marche pas. Ouais. Sinon, la suite est pas là. Si j'arrive pas à m'excuser, moi, de mes actes manqués, c'est peine perdue. C'est vrai. Puis après ça, je peux tendre la main à l'autre puis dire, es-tu prêt à me pardonner? Ben oui, je suis prêt. Je suis vraiment content d'avoir partagé ces commentaires-là avec toi. L'air de rien, je vais y penser pendant ce soir, pendant le deadlock, pendant toutes ces ouais. interminables longues d'attente, que la porte s'ouvre, que la nourriture soit... Ouais. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, assez. Ça fait plaisir. C'est un plaisir. Hey. Yeah. Vanité, vanité, glorifié, glorifié. Que personne ne se glorifie. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Seul peut se glorifier de celui qui a l'intelligence de me connaître. Car je suis éternel, ainsi par l'éternel. De cette arme de toute connaissance scientifique. Demandez-moi ce gars d'où il va, en haut, en bas. Qu'il me le dise, qu'il me le dise. Ou qu'il me récite la Fatia, ou qu'il me dit. S'il avait l'intelligence de connaître celui qui créa la terre et le ciel. S'il avait l'intelligence de connaître la paix. S'il avait l'intelligence de connaître le Dieu. Aïe. Aïe, aïe, aïe. 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 Bonjour Mario, je m'appelle Paco. Salut Paco. Je suis haïtien, je suis né au Québec. Ça veut dire que, en bref, j'ai deux belles appartenances qui font de moi qui je suis aujourd'hui. Et je ne suis pas vraiment un habitué d'ici, je suis juste de passage. Je sors bientôt et j'ai une vie professionnelle, fait que la vie devant moi, elle commence ici. Et il faut que je la parle au Québec. Je suis dans les arts, ça fait une couple d'années. Je suis diplômé dans les arts, technicien de plateau tournage pour être un peu plus précis. Et j'écris en ce moment des scénarios. J'essaie d'avoir une plateforme sur la plateforme télévision, une émission, peu importe, okay. One Man Show. Ouais. Et ce qui va m'amener à ma question, c'est selon la vie devant nous, comme que tu es un artiste, que j'ai bien aimé dans Watatatao en tant que jongleur et le clown. Simon Lorrain. Ouais. Le clown désobligeant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que pour mon expérience personnelle, j'ai été diplômé justement depuis 2008 et on était beaucoup d'étudiants à être diplômés et beaucoup de races, beaucoup d'ethnies. Ce qui m'amène à une question genre à deux volets. Qu'est-ce qui fait que à la télévision, les plateformes médias, plateformes internet, le cercle médiatique est si fermé que ça? Où sont les étudiants des QV de 2000 combien ou de 99? Où sont ces étudiants-là? Pourquoi ça fait... J'ai 33 ans. Ouais. Et en 33 ans, j'ai seulement vu deux générations d'acteurs et de comédiens à la télévision. C'était Passepartout, puis aujourd'hui, c'est Ramdam. Puis c'est toujours... pourquoi c'est toujours les mêmes? Oh boy! La visibilité... Je demande ça parce que je te connais... Ben, je connais comme acteur, ça fait très longtemps. Ouais. 88, 89, le premier rôle. Ouais. Et... T'as disparu. C'est, ben oui, en même temps, j'ai pas disparu parce que ça me tentait de disparaître. C'est certain que... moi, je dis pas que
ça a toujours servi que je dise tout ce que je pensais. Il y a des acteurs, peut-être moins bons que moi, qui ont travaillé plus que moi parce qu'ils se sont fermés la gueule. Moi, j'avais le sentiment que de dire les vraies affaires, cette rigoureuse honnêteté-là, allait me rapporter des points alors que ça m'ennuie. Tu sais, quand ils disent de se tourner la langue 7 fois avant de parler, là, c'est parce qu'au bout de la 7e fois, là, des fois, tu te souviens même pas de ce que tu voulais dire, fait que des fois, c'est mieux de même. Moi, j'ai payé pour ça beaucoup. J'ai payé pour ça, malgré la reconnaissance, j'ai pas été reconnu au niveau du travail comme plusieurs de mes pères me le disent. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils prennent toujours les mêmes alors qu'il y a 70 étudiants qui sortent des écoles de théâtre à chaque année? C'est une question que je me pose, c'est une question que j'ai de la misère à répondre aux gens sur la rue quand ils m'arrêtent et qu'ils disent comment ça se fait qu'on voit toujours les mêmes. C'est une question pour comment... Je ne vais pas dire des noms pour victimiser. Ouais. Je veux juste dire pour comment ça se fait qu'un certain peut avoir 2 émissions de télévision au même poste et être à la radio en même temps. Ben oui, c'est parce qu'en même temps, il y a ça, c'est qu'il y a une forme de... On n'a pas ça... Tantôt, il y a des boys qui me disaient, hey, c'est... Tu sais, tout est une vedette, mais je suis pas une vedette. Je me suis retiré de ce segment-là parce que ça me tentait pas d'être étiqueté vedette. Fait que j'ai fait mes affaires à ma mesure puis à ma démesure aussi. C'est ce qui t'ennuie. C'est ce qui m'ennuie. Mmh. Parce que ceux qui font ce qu'on leur demande, tu sais, puis qui... un disque en or à 50 000 qu'on va me donner si je ferme ma gueule puis si je me tiens tranquille, ça, c'est Jerry qui disait ça, tu sais. Puis, en quelque part, c'est un peu ça, tu sais. On va te donner un bonbon si tu fais ce que le monde veut que tu fasses, tu sais. Je suis rendu à 45 ans. Aujourd'hui, ouais, je sais qu'on peut revirer les yeux de travers une couple de fois, tu sais, parce que ça fait pas notre affaire, ça. Maintenant, il y a aussi une façon de dire les choses, de faire les choses, sans avoir le sentiment que je lèche, je suis en train de lécher le cul de l'autre en face de moi, puis que je vais tout faire ce qu'il me dit, tu sais. Ou vice-versa, tu sais. Il y a aussi une chose importante, c'est que ça dépend aussi de la décision qu'on prend par rapport à la carrière, en tout cas, au travail qu'on a envie d'entreprendre, tu sais. Moi, j'ai été mis à la porte de l'école de théâtre parce qu'ils disaient que je ne ferais jamais le métier avec la voix que j'avais. Je suis arrivé à Montréal, j'ai bossé, j'ai ouvert les portes par moi-même, j'ai pris des ateliers, j'ai fait ce qu'il fallait pour faire le métier auquel je croyais. Fait que je les ai gagnés mes galons, j'ai dû à personne. Maintenant, il y a des gens qui m'ont fait confiance. Puis à eux, je dois reconnaître le fait que s'ils n'avaient pas été sur mon chemin, je ne serais pas l'acteur que je suis aujourd'hui, tu comprends? Si Jeannette Bertrand m'avait pas fait confiance, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, puis je serais pas arrivé dans Ouattatata. Puis si Marcel Simard, en 87, m'avait pas donné le rôle d'Alain dans Love-moi, ça aurait été la même affaire, tu sais. Puis avant ça, il y a eu AZ, puis AZ, ça a été tough comme tournage, parce que on n'avait pas de temps, mais ça a été une école de télévision extraordinaire, tu sais. Donc tout ça pour dire que chaque étape de ma vie m'a servi à devenir quelqu'un de meilleur. Maintenant, dans ces étapes-là, j'aurais peut-être gagné à ne pas m'ouvrir la trappe à certains moments. Et aujourd'hui, à 45 ans, je peux dire que le cumul de tout ça, un peu comme dans l'alchimiste, tu sais, le cumul de tous ces trésors-là, moins brillants puis d'autres qui ont été plus brillants, bien fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est des gains. Autant dans ce qui m'apparaît aujourd'hui comme étant pas une défaite, mais en tout cas n'importe quelle expérience est un gain. Ben merci de le dire. N'importe quelle expérience. C'est peut-être plus dans le même qu'il faut le voir effectivement, ouais. Tu sais. Avec la vie devant moi, que je serais technicien et que j'écris des scénarios en ce moment, je trouve ça le sentiment d'injustice que tu partages avec moi en ce moment. C'est ce que je sens et je suis même pas encore entré. J'ai même pas encore le pied dans la porte. OK, mais moi, je vais te poser une question. En 2008, tu fais une école. Ouais. Tu sors en même temps que tout le monde. Tu as peut-être autant de talent, sinon plus, que ceux qui sont là. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé ici?
le fait de ne pas trouver justement d'emploi depuis le diplôme. OK. Moi, je peux te dire qu'il y a des actes que j'ai commis dans ma vie, là, que je les ai faits pour me saboter, parce que je ne croyais pas que je méritais le plus-value puis le gain que j'étais en train d'avoir tantôt. Je voyais le train qui s'en venait, qui allait être exactement celui que je voulais prendre, puis à place de me dire que ça va être mon tour de sauter dedans, j'ai sorti de la gare, puis... Laissé passer. Ouais, je l'ai laissé passer. Ça, c'est parce que, inconsciemment, je ne m'avais pas assez pour le sauter dans le train, parce qu'il était là, le train. Parce qu'il est là pour tout le monde, le train. Il n'y a pas personne qui est pointé du doigt pour dire « Toi, tu vas être un gagnant, puis toi, tu vas être un perdant. » Il n'y a pas personne sur la terre. Personne. Je le sais pour en témoigner aujourd'hui, parce que j'ai passé par tout ça en même temps. Autant les gains que les moments où est-ce que ça aurait pu aller encore mieux, puis que je sais pertinemment aujourd'hui, là, je suis assez honnête pour te dire que j'ai saboté ces moments-là parce que je ne m'autorisais pas à avoir ce plus-value de la vie. Tu me suis? Aujourd'hui, je peux te dire que chaque geste, chaque mot, chaque acte que je fais pour grandir et devenir quelqu'un de meilleur, je le fais dans ce sens-là. Et je vais accepter ce qui vient à moi et qui me propulse en avant, plutôt que de le rejeter en disant « Non, je ne mérite pas ça, moi. » Oui, je le mérite, puis amène-en. C'est pas de longueur, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis que... Mais ça, c'est une mentalité de consommateur, tu sais. Moi, je suis un alcoolique toxicomane. C'est sûr que dans ma façon d'agir, j'ai toujours agi en défaitiste. J'ai pas agi en winner, tu sais. C'est toujours pour les autres, c'est toujours plus vert dans le jardin de l'autre, c'est toujours ça, mais c'est jamais pour moi, tu sais. Puis aujourd'hui, j'ai fait « Wow, ça va faire. Je finirai pas ma vie, moi, en continuant à me dire que c'est toujours plus vert dans le jardin de l'autre. Ça me donne quoi? » Je vais continuer en me disant que ce jardin-là, il m'appartient. Sans victimiser la chose, ouais. Ton avis, c'est un avis que je demande personnel. Ouais. Depuis les deux dernières, si je dirais pas les trois dernières décennies, comment que tu trouves la représentation des minorités dans les médias? Au Québec, on est jeune, hein? On a à peine 400 ans de vie, là. Tu sais, c'est... Et moi, à cette île, c'est certain que... Moi, je suis né à cette île. À cette île, il y avait 40 nationalités parce que tout le monde qui arrivait au Québec, il venait sur la Côte-Nord pour travailler dans les mines. Fait que il y avait des Italiens, il y avait des Noirs, il y avait des Espagnols, il y avait des Africains, il y avait... Tu sais, il y avait de toutes les nationalités. Fait que moi, j'étais pas surpris d'en voir après ça dans ma vie de tous les jours, tu sais. Mais à Montréal, même dans les régions, dans les villages, des Noirs, des Africains, des Algériens, des Allemands, des Russes, c'était encore aujourd'hui, il y en a qui n'ont jamais vu ça, là. Je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a des coins du Québec où il y a des gens qui n'ont jamais vu de Noirs. Je suis certain de ça. Et ça, donc, ça prend le temps. Il faut laisser autant le temps de faire son temps et de faire en sorte qu'une société comme celle qu'on est en train de développer, multiculturelle, prenne sa place et que les histoires viennent qu'à raconter les histoires qu'on vit. Parce qu'on ne peut pas être dans ce qu'on vit, dans le moment présent, puis en même temps la raconter, parce qu'on n'a pas assez de recul. Il faut sortir de la forêt un peu pour voir, OK, c'est ça le picture de ce qu'on est aujourd'hui. OK, bon, ben cette vie-là, on l'a racontée de même, dans cette histoire-là, de cette façon-là, avec un Algérien, avec un Noir, avec un Français, avec un Québécois. Tu sais? Fait que c'est ça qu'il faut donner au créateur, c'est le temps de dire, OK, c'est ça qui se passe maintenant. Le big picture au Québec, là, c'est ça. Fait qu'on va commencer à les structurer. Puis comme on peut le constater, ça, de plus en plus, on les voit, tu sais. Ça a l'air contrôlé un peu comme au compte-gouttes un peu. Bien, au compte-gouttes, ça y va comme l'inspiration. Parce que je peux pas dire, moi, que les créateurs, c'est-à-dire les écrivains, sont comme les producteurs. Les écrivains, ils vont écrire avec leur bagage de vie puis avec ce qu'ils croient être essentiel à ce que les gens puissent s'identifier, tu sais. Maintenant, ça se peut que dans les années passées, les producteurs disaient « Ah ouais, mais non, on ne mettra pas une minorité parce que là, ça ne me tente pas. » Puis, tu sais, je ne sais pas pour quelle raison, là, je ne veux même pas l'énumérer parce que
Moi, j'ai jamais vu que ça, j'ai jamais vu ça parce que ça aurait été une prise de bec trop importante. Mais ça se peut que ça existait dans le passé. Mais je pense plus qu'aujourd'hui, c'est un facteur, en tout cas, de la création télévisuelle. Je pense pas que c'est un facteur de ça. Je pense qu'on s'en va vraiment vers exactement donner la couleur de ce qu'on est aujourd'hui au Québec. T'sais. Mon but dans tout ça, vraiment, c'est que je trouve un juste qui ne donne pas la chance de trouver un autre génie. Un génie réalisateur, un génie producteur, un génie écrivain, scénariste, quelque chose. Moi, Xavier Dolan, j'ai su il y a 2 semaines, là, c'était qui son père. Je pensais que c'est un petit génie qui était sorti de nulle part. J'aurais aimé ça voir souvent des petits génies qui sortent de nulle part, justement, qu'on donne la chance à beaucoup de cuvées, beaucoup de finissants, de voir hey, peut-être qu'on a un génie quelque part au Québec, parce qu'on en fait des génies. Puis, ouais. C'est là ce que je voudrais. C'était très informatif, hey. J'adore ça. Hey. Merci, super. Merci beaucoup. Mario, c'est toujours moi. Toi, Ben. Ben Soussan. Moi, chaque jour, je me réveille, je me prépare pour une épreuve. Laisse l'IM. رميتيني بالحزان علاش هاليام خليتيني دنيا عريان علاش هاليام رميتيني بالحزان علاش هاليام خليتيني في الدنيا عريان امونوني نيامو نانو ماني نيي ما يوم ميامو نانو ني ناني موي ايو ما يوم ميامو لا يوم ماني ناني بايكم ني نيما Mayumuna nunune, mayukoni diamo, mayumuya ninye, nani 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 amo, nani nani ninye, lashalashaliyan, rmitini blahzan, lashalashaliyan, rmitini bluham, lashalashaliyan, rmitini blahzan, lashalashaliyan, litini dunya riyan, ayyomani niyamo. Nayo manini eh ayo monuni amo nani la la li le la li la 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 li la la li la la li la 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 li la la li la 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 وحياني حياني ولا مشيت بالليل وغيابي غيابي ولا لقيت الخليل وحياني حياني ولا مشيت بالليل قال غيابي غيابي ولا لقيت الخليل لاش هاليام ترميني بالحزان لاش هاليام خليني بالوهم لاش هاليام ترميني بالحزان لاش هاليام ترميني بالوهم وحياني حياني ولا مشيت بالليل قال غيابي غيابي ولا لقيت الخليل وحياني حياني ولا مشيت بالليل قال غيابي غيابي ولا لقيت الخليل وحياني حياني ولا مشيت بالليل غيابي غيابي ولا لقيت الخليل باموس ابيلا باموس ابيلا باموس ابيلا باموس ابيلا Vamos a bailar, vamos a bailar. En la vida de la vida, en la vida del amor, el amor es el amor, el amor es de la vida. En la vida de la vida, en la vida del amor, el amor es el amor, el amor es el amor. Ay 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 ay. La vie, la vie, la vie, la vie devant moi. La vie, la vie, la vie, la vie devant nous. La vie, la vie, la vie, la vie devant vous.
El amor es de la vida, es la vida de la vida, es la vida del amor, el amor es del amor, el amor es de la vida. Guay, ay, 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 mamá, 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 ay, 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 mamá, 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 mamá. Es la vida, la vida, la vida, la vida devant toi, es la vida, la vida, la vida, la vida devant moi, la vida devant vous. Quand le bonheur en arrache, quand l'amour le chatouille, quand la vie le bafouille, toujours vivant, je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui lutte quand la vie le culbute. Je retombe sur mes bottes, les pieds dans la garnotte, toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Je suis de cette race qui veut laisser sa trace en graffiti fébrile sur le béton des villes, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Je suis celui qui passe quand les autres se tassent au bord de la routine. Je suis celui qui spinne et qui reste vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui fonce, la tête dans les ronces, qui jamais ne renonce au plaisir d'être libre, toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Je suis yeah. celui qui frappe dedans la vie, à grands coups d'amour. Yes, elle a cet ancien blanzé, un petit pain en forme de lune. Elle s'est mise à le croquer tout en marchant. Elle avait une grande soif, elle sait pas où aller boire. Elle a franchi un goutte, elle se retrouva dans un autre jardin, entourée d'encadres. Elle a reconnu alors le palais royal. Elle s'appelle Marguerita, ton amour me tue. J'ai besoin de toi comme un homme a besoin de vivre. J'ai besoin de toi comme un arbre a besoin de pluie. Approche-moi, je veux te dire la vérité, rien que la vérité. Je veux ton amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Hey, 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 hey. Je suis celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. Mario, j'ai le regret de t'annoncer qu'on va te garder en otage.
La question, c'est une question de combien. Merci. Merci d'être venu nous visiter. À Souverain Anonyme, on apprend chaque jour à travers chaque rencontre. Mille fois merci d'être ici. Si vous revenez la prochaine fois, c'est avec plaisir, mais je ne serai pas là. Alors pour te dire, au nom de tous mes camarades ici, présents, Mario Saint-Amand, je te déclare souverain. Anonyme. Souverain. Anonyme. Souverain. Nous assumons tous nos peines, noir et blanc dans le même système.